Je suis perdu, Carl. Tout ce que je voulais, c'était vivre en paix, mais... tout ce que je touche s'effrite entre mes doigts. Tout ce que je voulais, c'est que mon peuple soit libre. Mais au lieu de ça, je les ai tous menés au désastre. J'essaie de trouver des réponses. Mais tout s'effondre en même temps autour de moi. Qu'est-ce que je dois faire, Carl ? Ils nous massacrent. Je ne veux pas répondre à la violence par la violence, mais quel choix me reste-t-il ? Aidez-moi, Carl. Je vous en prie, aidez-moi. Combien d'entre nous ont survécu à l'attaque ? Quelques centaines. Peut-être plus si on compte ceux qui se cachent en ville. On serait tous morts si tu n'avais pas déclenché cette bombe. Ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants. Alors ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps, pour les exterminer. Dans quelques heures, il ne restera plus que nous. L'armée a construit 5 camps différents à Détroit. Ils en construisent d'autres à travers tout le pays. Ils se préparent à commettre un génocide. Dans quelques heures, tout sera fini. Nous aurons changé le monde ou le monde nous aura détruits. Tu dois faire un choix, Marcus. Mais quoi que tu décides, nous te suivrons. Je suis avec toi, Marcus. Où que tu ailles, je te suivrai. C'est ma faute. Si les humains ont réussi à localiser Jericho. J'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'ils se servaient de moi. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Tu es l'un des nôtres maintenant. Ta place est avec ton peuple.
Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage CyberLife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour CyberLife ? Connor, c'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez CyberLife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. Sois prudent. Si t'avais pas été là, je serais mort. Grâce à toi, je verrai peut-être notre peuple libre un jour. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Mais on se bat pour la même chose. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, Marcus. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Maintenant, les humains veulent la guerre. Ils vont l'avoir. Nous allons nous battre pour notre liberté et nous irons jusqu'à la mort. Êtes-vous prêts à me suivre ? Thank you.